si je faisais un praliné de base avec un collage simple, je pourrais utiliser le praliné dans l'état. Là, je vais rajouter des zestes de citron. Donc, je vais le repasser au robot coupe pour que les zestes soient bien éparpillés dans le praliné, qu'ils soient bien mixés, bien fins. Donc, je vais peser mon praliné. Voilà. Donc, je vais mettre mon praliné au robot coupe. Voilà, donc je mixe, que les zestes soient bien répartis harmonieusement. Et je vais rajouter mon collage. Alors qu'est-ce que c'est le collage? C'est ce qui va nous servir à faire durcir le praliné. Donc là, j'ai mis une partie de tanné à lait, donc chocolat de Madagascar, très peu sucré. Donc c'est assez exceptionnel pour un chocolat au lait. Donc ça fait qu'on a un chocolat au lait très cacaoté, mais bon, avec un bon goût de lait également. Et très peu sucré. Donc ça, c'est vraiment un chocolat au lait exceptionnel. Moi, ce chocolat, je l'utilise pour tous mes enrobages de chocolat, de bonbons chocolat au lait, parce que ben, l'avantage, très peu sucré, très fluide. Donc pour un chocolat au lait, c'est un gros avantage et une bonne, des bonnes notes aromatiques cacao en fin de bouche. Voilà. Quand mon praliné est bien mixé avec mes zestes, je vais rajouter mon collage. Alors le praliné en soi, ça n'a pas l'air très compliqué. En général, c'est un mélange de 3-4 ingrédients. Ça dépend si on fait des pralinés avec des arômes, etc. Mais en général, c'est du praliné avec un collage. Donc c'est relativement simple. Par contre, ce qui va être important, c'est la température de coulage. Que vous le fassiez en cadre ou en bonbon moulé ou en barre, comme on va faire, il va falloir faire cristalliser le praliné rapidement pour pas qu'il y ait de décantation de matière grasse. Et pour pas qu'il y ait de blanchiment gras, parce que le gros problème avec les pralinés, c'est le blanchiment gras. Un praliné, c'est un produit très gras. Dans une noisette, il y a à peu près 60% de matière grasse. Dans une amande, 50-55%. Donc cette matière grasse, le problème, c'est qu'elle peut migrer. C'est-à-dire qu'avec les changements de température, s'il fait un peu chaud à l'extérieur, la matière grasse va commencer à fondre un petit peu. Et si elle migre, elle va faire fondre la couche d'enrobage. Donc elle va faire fondre le sucre. Et ce sucre va blanchir. Donc c'est le blanchiment gras, blanchiment sucrier également. Donc c'est un gros problème. Donc pour éviter ça, il va falloir faire cristalliser le praliné très vite. Pour ça, il va falloir vraiment avoir une maîtrise de la température de coulage en cadre et de coulage dans des moules, etc. Donc on va le couler en général en dessous de 24 degrés. Donc là, on risque d'être un petit peu chaud parce qu'en plus, on l'a mixé. Donc en mixant, on a augmenté également la température. Donc là, je pense que je vais être aux alentours des 28 degrés, 28, 29, 30 degrés. Donc là, si je le coule comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre longtemps à cristalliser. Et donc la matière grasse va remonter à la surface. On va avoir des auréoles d'huile, tout simplement, hein, d'huile à la surface. Et ces auréoles, avec le temps, vont nous faire fondre le sucre contenu dans la couverture. Donc là, il est trop chaud, donc je vais le tabler. Donc on pourrait très bien faire la même recette avec un praliné noisette. Hein. Là, j'ai fait avec un praliné amande parce qu'avec le bonbon à la figue, c'est vrai que c'est un chocolat que je fais dans ma gamme. Donc la gelée figue coin avec le praliné aux amandes de Provence avec un peu de citron, ça fait vraiment un parfum très provençal, très frais avec le citron. Très peu sucré, donc c'est un gros avantage. Ouais, il a une belle couleur, hein, ce praliné d'amande de Provence. Bien torréfié. On voit qu'il est bien doré. Il a vraiment une couleur agréable. Donc, je vais tabler mon praliné. Donc, le but, c'est de le faire arriver en dessous de 24 degrés. Alors là, c'est pour une petite recette. Bien sûr, si vous faites des grandes quantités, vous n'allez pas le tabler. Ce qu'il faut faire, ce que je fais, moi, en général, je pars d'un praliné froid qui est au frigo, donc aux alentours des 5 degrés. Je le mélange, donc je vais le mixer, donc il va remonter un petit peu la température. Et mon collage, je vais le mettre aux alentours des 35 degrés. Donc le praliné froid, enfin environ 10 degrés, avec le collage à 35 degrés, je devrais arriver aux alentours dans les 22-23 degrés, donc ça va être parfait.
Voilà, j'arrive à 23,5, 23,4, 23, donc je suis en dessous des 24 degrés, donc c'est parfait. Donc mon praliné est à la bonne température. Il a une bonne texture. Pour le pocher, ça va être facile. Il est assez fluide, pas trop liquide. Parfait. Donc ce bonbon se fait très bien aussi en cadre. Vous pouvez faire des barres, c'est parfait. Là, j'ai décidé de le faire en bouchée ronde pour que ce soit un peu plus sympa pour Noël. Ça fasse un peu esprit boule de Noël. Mais je le fais dans ma gamme, bien sûr, en bonbon carré, donc un peu plus fin. Je fais la gelée à 3 mm et le praliné à 3 mm. Là, j'ai fait la gelée à 5 et je vais couler donc à peu près aux 3/4 de praliné amande. Que ça nous fasse une bouchée à peu près dans les 35-40 grammes.